Et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce jour où nous entrons en carême, où durant ces 40 jours avant Pâques, nous allons revenir au Seigneur, car il est tendre et miséricordieux, car il est la source de notre vie, car il est le cœur de notre amour, car il est le sens même de notre existence. Oui, Seigneur, en ce début de carême, nous voulons revenir vers toi. Nous sommes sûrs de ton amour et de ta miséricorde, aussi de tout notre cœur, avec les catéchumènes qui seront appelés au baptême, avec la confiance qui nous fait accompagner le Christ sur le chemin de Jérusalem, chemin de sa mort et sa résurrection, nous le prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts, pour lutter contre l'esprit du mal, nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir. Il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une solennité. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Amen.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle quand ils font leur prière. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Frères et sœurs, qu'est-ce donc que le carême pour vous? Est-ce d'abord un temps de privation? Est-ce d'abord le temps des bonnes résolutions? Est-ce d'abord un temps où vous percevez la distance qu'il y a entre Dieu et vous? Peut-être que la phrase du prophète Osée peut nous dire ce que c'est que le carême. Je vais te conduire au désert, et là je parlerai à ton cœur, et je te séduirai comme au premier jour de notre amour. Le carême est ce temps où Dieu nous conduit au désert, non pas comme un lieu de solitude, non pas
comme un lieu d'épreuve, mais d'abord comme étant le lieu où il veut parler au secret et à l'intimité de notre cœur, où il veut redonner à notre vie sa source première, où il veut nous faire découvrir la puissance de cet amour qui vient irriguer, transformer, accomplir, transfigurer notre existence. Alors pour cela, il nous faut nous laisser conduire par lui. Et quel est le chemin par lequel Dieu va nous conduire au temps de ce carême? Peut-être qu'il y a un mot qui nous dira si bien ce que c'est que la volonté de Dieu sur nous pendant ce temps de carême. Ce mot, il est simple. Notre Père. Dire à Dieu Père pour se reconnaître fille et fils de Dieu. Pour reconnaître que le chemin de ce carême, c'est le chemin par lequel nous allons devenir pleinement fils ou fille de Dieu. Et que tout le sens de ce carême, c'est de se laisser transformer par l'amour paternel de Dieu qui nous fait devenir pleinement fils, qui nous fait pleinement oser dire dans notre prière et le dire en vérité notre Père, parce que nous nous reconnaîtrons pleinement fils. Qu'est-ce donc que devenir pleinement fils? C'est déjà notre baptême. Au jour de notre baptême, nous sommes devenus, par la grâce du Père, nous sommes devenus pleinement fils. Et samedi prochain, notre archevêque, le cardinal, va appeler d'un appel décisif les catéchumènes qui vont recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie durant la nuit pascale. Cet après-midi, notre archevêque a appelé d'une façon décisive vers le baptême des centaines de jeunes adolescents qui vont recevoir le baptême durant la nuit ou le temps pascal. Ce sont des centaines, plus de 400 jeunes ou adultes qui vont à Paris recevoir le sacrement par lequel ils vont être fils et filles de Dieu. Et ce temps de carême où nous sommes comme replongés dans la grâce de notre baptême en disant et en nous reconnaissant pleinement fils de Dieu, en se laissant conduire au désert pour que Dieu vienne parler à notre cœur, c'est ce temps où nous accompagnons, comme dans une grande retraite dans la ville, ces catéchumènes, avant que, plongés dans la grâce baptismale, ils deviennent néophytes resplendissants de la lumière et de la vie divine. Le carême est donc ce temps d'une longue retraite au cœur de la ville, où nous accompagnons le chemin de ces futurs baptisés. Une longue retraite au cœur de la ville, une longue retraite de 40 jours au cœur de nos familles, de nos vies professionnelles, de nos rencontres, au cœur de ce qui fait le quotidien de chacune et de chacun d'entre nous. Et comment va se manifester au long de cette longue retraite qui nous mène vers l'accomplissement de Pâques, vers le renouvellement de la grâce baptismale, vers ce jour où, unis à la passion du Christ, nous aurons part en lui et avec lui et par lui à la résurrection et à la vie éternelle. Car cette longue retraite a un but, Pâques. Le carême n'est pas un temps de privation pour des privations. Ce n'est pas un temps d'assaise pour l'assaise, c'est un temps d'alliance, d'union, d'intimité avec celui que nous accompagnons
sur le chemin de la mort et de la résurrection, parce que nous l'accompagnons non pas comme des hommes sans foi, mais nous l'accompagnons comme des baptisés, ayant pris corps de son corps, ayant pris vie de sa vie, ayant pris amour de son amour, unis à son corps, parce que nous sommes membres de son corps, le corps du Christ qui est l'Église. Alors ce qui va manifester cette intimité de notre union à lui, dans cet accompagnement vers Pâques, ce sera la charité. Ce sera l'amour que nous essayerons de vivre au cœur même de ce que nous sommes chacun les unes et les autres dans notre humanité. Et cette charité aura donc trois gestes qui devront sans cesse demeurer secrets. Car si ce que nous faisons devient public, c'est que notre main gauche se saisit de ce que donne la main droite, c'est-à-dire que notre orgueil se saisit de la charité pour devenir notre point d'appui au lieu de ne s'appuyer que sur l'amour de Dieu. La première manifestation de cet amour qui va comme être renouvelé au long de cette longue retraite vers Pâques, c'est l'aumône, le partage. Ne pas garder pour soi ce qui nous encombre, mais oser donner et partager, parce que c'est dans ce partage que Dieu nous libère et que nous apprenons à vivre et à aimer à partir du besoin de l'autre et non pas de nous-mêmes. Où nous apprenons que le partage, c'est mettre l'autre dans sa dignité comme étant plus important que chacun d'entre nous dans ce que nous possédons. L'aumône, le partage, c'est bien comprendre que la pauvreté de l'homme est ce qui nous émeut plus que ce que nous possédons, et qu'en acceptant d'être désencombrés, nous acceptons d'être libérés. Mais que notre main gauche, c'est-à-dire la main qui prend, la main qui saisit, la main de l'orgueil, ignore ce que donne la main droite, c'est-à-dire qu'elle ne reprenne jamais ce qui est donné. Et que notre vie, qui est notre plus grande richesse, soit donnée, car l'aumône est le signe du don de nous-mêmes jusqu'au don total de nous-mêmes, qui est notre don uni au don du Christ pour le salut de l'humanité. L'aumône n'est que le signe de ce don véritable qui est celui du Christ. La prière, c'est aussi la gratuité du temps. Prendre du temps gratuit, cette longue retraite demande que nous réapprenions la gratuité du temps, à avoir le temps, à prendre le temps pour le donner, pour le partager. Le temps peut être un temps qui passe, le temps peut être un temps après lequel on court, le temps peut passer sans qu'on le voie, mais le temps peut aussi avoir une valeur d'éternité lorsqu'il est le lieu et l'expression de l'amour. Et seule la prière dans la gratuité du temps donné et partagé avec Dieu donnera à notre vie, dans le temps qui passe ou dans le temps qui se presse, un temps d'éternité, une saveur unique, celle d'un Dieu qui nous aime et d'un amour que nous acceptons de recevoir pour le donner. Le jeûne, c'est effectivement accepter d'être maître de ses sens. Pas simplement le jeûne alimentaire, mais ça peut être évidemment le jeûne du tabac pour ceux qui fumeraient.
Ça peut être surtout le jeûne de toute addiction pour ceux qui sont dépendants, que ce soit la dépendance d'Internet ou plus exactement de son ordinateur, que ce soit des dépendances à l'alcool ou à d'autres produits, que ce soit des dépendances à la vitesse. Mais le jeûne doit être un acte par lequel on se situe en rupture par rapport à tout ce qui est addiction en nous. Et d'une façon large, le mot addiction. C'est ça, le jeûne véritable qui plaît au Seigneur, c'est d'aimer son prochain et de s'aimer soi-même à la manière du Christ qui nous aime. Et cela, nous n'avons pas à l'accomplir pour que cela se voie. Nous n'avons pas à l'accomplir à d'autres fins que simplement celle de s'aimer à la manière d'un Christ qui nous libère et qui nous donne alors d'être pleinement fils, parce que pleinement libre. L'accomplissement de l'amour en nous passe par la liberté, et la liberté passe par le renoncement à ce qui est une entrave à l'amour ou un faux amour qui nous rend dépendants au lieu de nous rendre libres. Tel est le jeûne qui doit avoir comme fruit un amour et une charité, et non pas une dureté ou une amertume. Nous voici entrant ensemble dans le carême, portant dans la prière nos catéchumènes, dans la joie d'être conduits au désert, pour que Dieu y parle à notre cœur et que nous revenions vers lui, comme au premier jour. Car notre Dieu est tendre et miséricordieux, acceptez de vous laisser guider par lui et en recevant les cendres, de découvrir que tout est grâce et que nous sommes rien sans le salut que Dieu nous donne en la mort et la résurrection de son Fils et dans le don de l'Esprit Saint que nous recevrons au jour de la Pentecôte. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Que ces cendres que nous allons recevoir et que je vais bénir soient le signe de notre désir de conversion, de notre désir de changer notre cœur, de laisser Dieu changer notre cœur pour que la joie de l'Évangile puisse jaillir en nous, pour nous-mêmes et pour le monde. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Repens-toi et crois la bonne nouvelle. Convertis-toi et crois à la bonne nouvelle.
Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invite à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, son frère Jérôme qui préside notre Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour la famille Philippe, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce temps de carême, Dieu veut nous ramener vers lui pour que par la puissance de l'Esprit Saint, nous puissions dire en vérité « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Mes sœurs, mes frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de sa paix. La paix du Christ.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour ce carême que nous vivons désormais. Tout d'abord, je ne saurais trop vous recommander de venir dimanche prochain, premier dimanche de carême, à 16h30, outre la messe que vous aurez choisie, pour écouter la conférence, la première conférence de carême sur Vatican II, une boussole pour notre temps. Et cette première conférence sera donnée par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Le thème plus précis sera Vatican II, ancien ou moderne, avec un point d'interrogation. Immédiatement après aura lieu le débat, ici même dans la cathédrale, avec le conférencier, puis les vêpres à 18h et la messe à 18h30. C'est en direct sur France Culture et KTO. Deuxièmement, sur la feuille que je vous invite à emporter à la maison, vous avez les deux offrandes de carême que le diocèse et la cathédrale nous vous proposons. L'une pour le soutien au peuple haïtien, plus précisément pour les églises et la cathédrale de Port-au-Prince. Ou bien l'autre offrande serait pour l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem-Est. Dans les deux cas, il y a un ordre à faire, un envoi à faire et une adresse que vous avez sur cette feuille. D'ici là, nous aurons le vendredi, et comme tous les vendredis de carême, et dès ce vendredi, vous êtes invités à 15h à la vénération de la Sainte Couronne d'épines. N'hésitez pas à venir et même à vous recueillir dans la chapelle du Saint-Sépulcre une demi-heure auparavant. D'autre part, à la dernière page, c'est pour ça que ce document est très précieux, dès maintenant, vous avez l'ensemble des horaires, des offices, des célébrations de toute la Semaine Sainte depuis les rameaux jusqu'au lundi de Pâques. Donc emportez-la et faites-en le meilleur usage possible. Enfin, pour terminer, afin de bien vivre notre carême, comme nous y invitait Mgr Beau, notre évêque auxiliaire, notre vicaire général, vous pourrez trouver au fond de l'église, donné gracieusement, pour tout le mois de mars, un numéro spécial de Prions en Église. Comme ça, vous aurez tous les dimanches du temps de carême. Les bénévoles sont à votre disposition, au fond, pour vous proposer ce numéro spécial gracieusement. Encore un bon carême au nom de tous les chapelains. Et nous levons pour terminer notre prière avec Mgr Jérôme Beau. Unissons nos prières. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes, et qui mène à notre guérison, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à la maîtrise de musique sacrée de Notre-Dame de Paris pour sa présence avec nous ce soir. Bon carême à tous et bonne intercession pour tous nos catéchumènes. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma mater.